Ça fait quelques semaines que je l'utilise maintenant et je voulais absolument faire une vidéo pour vous la présenter. C'est ma nouvelle 36 pouces. Alors pourquoi elle va si bien? Parce qu'en fait elle est super légère, elle pèse 5,5 kg, grâce notamment à une jante en carbone que Martin Charrier m'a fournie. Alors si on prend pièce par pièce, on commence par la selle. C'est la nouvelle Nimbus R. Une selle qui est relativement plate. La forme va super bien, rien à redire. Au bout, j'ai mis le guidon Chrysaulm, hein, plutôt court, pas forcément pour me pencher sur le monocycle et rouler à 30 à l'heure, mais sur des balades vraiment tranquilles, c'est la bonne position pour moi. La selle est percée sur toute la longueur. Ça ajoute un peu de confort comme il y a sur les selles Chrysaulm. Et puis au niveau de la mousse, c'est assez ferme. C'est pas vraiment de la mousse d'ailleurs, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas si c'est des coussins d'air, mais bon, ça coûte quand même 120 euros et c'est assez proche d'une selle Chrysaulm en vrai. Alors pour la tige de selle, c'est une RGB, c'est la seule qui était compatible de toute manière avec le cadre que je voulais mettre. Elle se fixe comme une selle traditionnelle avec 4 boulons. On peut voir que j'ai pas mis de plaque de renfort parce qu'en fait c'est pas compatible avec cette selle. Alors c'est un peu embêtant parce que la selle du coup elle est un peu molle, mais je changerai peut-être plus tard pour une selle Chrysaulm. Pour le serrage, ben c'est un double vis en alu RGB, voilà, où le dessin il s'accorde super bien avec le cadre. Donc pour le cadre, ben c'est donc un RGB hein, de QX, en alu, noir mat, arrondi. Voilà, pour pas se taper les genoux dedans. Le logo de la marque. On peut voir à l'arrière la fixation pour le frein. Hein. J'en ai pas mis sur le mien, mais c'est compatible. J'ai choisi le pédalier QXL parce que c'était le plus léger. Des manivelles en alu très légères. Alors j'ai pas reçu encore le boulon là, qui permet de fixer complètement la manivelle. Elle tient, j'ai serré très très fort les deux petites vis qui sont sur le côté. Bon, ça bouge pas, mais ce sera à mettre plus tard. J'ai choisi 125 mm pour la taille des manivelles parce que finalement c'est la taille qui me convenait le mieux pour jouer. C'est sûr que des manivelles plus courtes m'auraient permis de rouler un petit peu plus vite, mais ce n'était pas le but en construisant ce monocycle. L'axe, c'est un axe en 32 trous qu'il a fallu trouver parce que la jante était en 32 trous. C'est un prototype de Q-axe tout en alu. On voit les fixations pour le disque derrière. Mais je voulais quand même me laisser la possibilité d'en mettre un plus tard. Là, j'en ai pas mis parce que franchement, la roue est très légère, donc elle s'arrête facilement. Et puis, les balades que je fais sont toutes plates, il n'y a pas de dénivelé. Donc, pas besoin. Alors la jante. La jante en carbone avec 32 rayons. Super légère puisqu'elle fait gagner presque 500 grammes par rapport à une jante traditionnelle. En plus j'ai mis une chambre à air de 29 pouces. Voilà. Le pneu, c'est la version hyper light du King George, le pneu de QX, avec ses fameux crampons, c'est écrit 36 dessus. Même quand on se penche, franchement ça adhère super bien. C'est vraiment le pneu il est vraiment bien. Allez, on finit par les pédales. Ben là, les pédales, c'est un peu chacun fait comme il veut. Moi, j'ai mis des pédales très larges. Elles sont en nylon. Elles ont quand même des picots assez longs. Donc, le pied est bien posé. C'est super stable. Alors, même si elles sont un petit peu plus lourdes que les pédales que j'avais mises avant, je me sens mieux dessus. Donc, c'est ce qui est le plus important. Je n'ai pas parlé des roulements. C'est des roulements annuaires. Enfin, c'est des bons roulements. La pédale tourne bien. Une fois toutes les pièces assemblées, on obtient un monocycle qui pèse 5,5 kg, ce qui est vraiment très peu pour un monocycle de 36 pouces. Un monocycle traditionnel pèse environ allez, 7,5 kg. Et comme une grosse partie du poids a été gagnée au niveau de la roue, qui doit peser le poids de la roue d'une 24 pouces à peu près, et bien en fait on gagne vachement en maniabilité. Ça permet de slalomer, de faire des demi-tours, de s'arrêter super facilement. La montée est du coup beaucoup plus facile aussi. Et puis à faible vitesse, c'est beaucoup moins fatigant. La plupart des gens qui roulent en 36 pouces un peu sérieusement, ils ont choisi de prendre cette jante pour améliorer leur performance. Franchement, moi je veux absolument être au départ du prochain marathon et voir partir Martin et Simon comme des fusées. Ça va être très impressionnant, c'est sûr. J'espère que le test vous a plu. Si vous hésitiez à acheter cette jante, sachez que vous ne le regretterez pas. De tous les monos que j'ai pu assembler, c'est de très très loin celui qui m'a le plus impressionné. Ça n'a strictement rien à voir avec toutes les 36 que j'ai pu avoir jusque-là.